Amis du raid, bienvenue. Bienvenue dans cette partie exploratoire et combative que nous allons mener, une partie de Raiders of the North Sea. Je pense que pour monsieur Olivier, c'était la blague de présentation de trop. Ami du raid, c'était... Ami de la raid, voilà, c'est ça. Ami de la raid, on va les piller. On va les piller. Voilà. Raiders of the North Sea, si vous avez suivi, il y a la petite vidéo explicative qui nous a été faite par monsieur Olivier dans cette journée consacrée aux Vikings. Et qui mieux que Mr. Jamie pour tout ce qui est prends dans ta gueule en tant que Viking. Alors, j'avoue que je suis un peu fatigué aujourd'hui. Donc j'avoue, parce que le mec qui fabrique mes casques, il a fait trop petit. Donc du coup, j'ai dû les triper, ça a pris beaucoup de temps, je suis un peu fatigué, mais bon, je vais faire de mon mieux. Heureusement, en face de lui, il y a monsieur Liozav. Salutations. Salutations. Moi, j'ai pas mis de casque pour aller plus vite. Ouais, tu vas directement au forteresse. On s'encombre pas de cornes, si tu veux. Oui, normalement, non, mais bon, à ce qui paraît, les cornes, c'est pas vraiment Viking. Raiders of the North Sea est un jeu pour 2 à 4 joueurs de monsieur Shem Philippe. Il n'est pas disponible en français, c'est pour ça que c'est monsieur Olivier qui vient nous le démontrer. C'est chez Garfield Games, mais c'est la maison d'édition de Shem Philippe. Ça se joue à partir de 12 ans, les parties durent environ 60 à 80 minutes. D'emblée, sachez-le, ne nous en voulez pas si nous n'allons pas au bout du raid, au bout du rêve, parce que, effectivement, l'objectif est de vous montrer comment le jeu tourne. Ma foi, si jamais je peux écraser mes adversaires, je le ferai. Je vais donc mettre la boîte de jeu dans le verre de Trick Track. J'ai démarré, on a lancé le dé, c'est moi le premier joueur. On a eu 5 cartes Viking, comme expliqué, on en a choisi 3, ce que nous avons déjà fait. Nous avons notre petit Viking, nos deux sesterces, et j'ai envie de dire, le jeu démarre maintenant en prenant le petit Viking et en allant le poser. Le poser dans le village, puisque voilà. Pour le moment, nous sommes limités à ça. Non, en le faisant, eh ben je vais aller à la baraque pour voilà, recruter. Pour recruter, je vais donc payer, alors je vais la poser ici, 2 sesterces. 2 sesterces, absolument. Voilà, donc voilà les 2 sesterces qui s'en vont. Et tu recrutes Olaf l'intelligent. Olaf le marchand intelligent, qui du coup, quand il est posé, oui. Hein, c'est gain 1 additional VP, je gagne un point de victoire. Un point de victoire pour chaque bétail. À la fin du jeu, mais absolument. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Oui. Par contre, je peux utiliser n'importe quelle action de building comme si un travailleur était là. Ça, c'est quand tu fais. Oui, quand je défausse. Quand tu défausses. Oui, c'est ça, en allant dans le town hall. Oui, mais là, il n'est plus défaussé. Ah, depuis ma main. C'est depuis ta main. Ah, mince. Donc, c'est on voit bien qu'il a écouté pendant l'explication. Ok, hein. Ok. Non. Donc voilà. Là, tu vas mettre Harald le Fort. Voilà, c'est ça, bon, un petit brawler. Et une fois par raid, je peux relancer un dé. Voilà, donc impeccable. Et ensuite, je retire... Tu retires un Viking autre que celui que tu viens de poser, donc parmi les 3 qui sont positionnés dès le début, donc soit du Gatehouse, Town Hall et Trésor, et tu fais l'action avec quoi? L'action qui va avec. Et donc, je vais retirer celui-là. Tout à fait. Voilà. Et là, et donc, je fais le défausse. Jouer une carte, la défausser, voilà. Et faire son action. Je vais défausser un homme, un garde de la porte d'entrée qui me permet de piocher 3 nouvelles cartes dans ma main. Et on est limité à 5, puisque c'est marqué 8 cartes. C'est 5 embauchés, et voilà, c'est bon. Donc c'est à moi. Et comme je suis bon et généreux, je vais aller au Town Hall également. Donc tu vas défausser pour jouer un pouvoir. Oui, et je vais jouer celle-ci, qui va me permettre de prendre 2 sesterces chez un comparse. C'est bien. L'avantage, c'est que c'est monsieur Jamie qui a pris. Sur la haine depuis hier soir, c'est tout ça. Tout à fait, absolument. Je n'ai pas accepté Bayeux. Donc, hein, pas de privé de joke, messieurs. Je dépense mes 4 sesterces puisque j'ai fait la baraque. La baraque, tu embauches. Et je vais embaucher un héros qui est Hildegard von Bruchbrunn. Ah. Et elle a 2 pouvoirs constants, c'est un héros. Alors je ne peux en recruter qu'un héros. D'accord. Mais elle me permet d'augmenter ma force pour les Valkyries. Plus j'ai de Valkyries, plus elle va augmenter la force. Donc je vais avoir tendance à faire des morts. Okay. Et elle a également 4 de force. Ok. Okay. Et j'ai fini. Moi, j'avais un plan, mais voilà, tu viens de te faire pipi dessus. On va dire que je vais mettre mon petit meeple, le silversmith, je gagne 3. Tu gagnes 3 sesterces. Donc, je vais gagner mes 3 sesterces. Absolument, tout à fait. Et après, je vais... Retirer. Je vais retirer un bonhomme du trésorerie. Et tu en gagnes. Alors, tu peux soit défausser une carte et gagner 2 sesterces, soit défausser 2 cartes et gagner 2. Bah, je vais en défausser une. Qui va à la défausse. Voilà. Et j'en gagne 2. Exactement. Et te voilà richissime. C'est ça. Sachant que je vous le rappelle, nous sommes limités à... Oui. Ah oui. Ah, il y a les poils dans le micro. Ah oui. Ah, c'est à cause de ça, en fait. Voilà. Ça y est. C'est les cheveux, c'est les nattes. Hein, bah, les Vikings ne portaient pas de micro. Hein, donc...
Alors, tu es limité à un certain nombre de sesterces. Tu ne peux en avoir que 8, oui, je vous le rappelle. Ça. Oui, c'est vrai. Hein, maximum 8 cartes, 8 sesterces, 8 provisions. Mm-hmm. Ah, c'est 8 en total ou c'est 8 non, combinés? Non, c'est 8 chaque... sesterces, 8 provisions, okay, ou 8 cartes très en bien, main. Très bien, très bien. Donc, très bien, moi je vais sur la baratte. Le Zav. Hop. Oui. Donc tu prends ton petit viking. Tu le mets sur la baratte. Mm-hmm. Tu payes 1. 1. Pour voilà. La bijoutière. Voilà, et je vais retirer le Silver Smith. Et donc je vais gagner 4. 3. 3, c'est 4, parce qu'elle gagne un... Ah, c'est vrai, la bougresse. La bougresse, elle a fait du viking, elle a fait du voilà. Bijou. Et nous avons fini le premier tour. Oui, donc effectivement, hein, ça me... Effectivement, le côté je pose et j'enlève, ça veut dire qu'il y a aussi une interaction à avoir, à ne pas laisser ou à laisser des places disponibles aux autres. Mais ce n'est pas limitant. La seule chose, c'est que tu feras l'action lorsque je pose. Je suis obligé de poser oui. En premier et reprendre. Il y a des fois, ça ne se combine pas c'est bien. Voilà. Mmh. Moi, ça m'a arrangé. Voilà. Donc, du coup, il va falloir commencer à piller éventuellement, hein. Mais pour ça, il faut des ressources, c'est ça? Oui. Et pour aller... Donc, pour aller piller, il va falloir au minimum des provisions. Oui, des provisions. Ah, le viking mange, hein, sur l'eau. C'est ça. Et plus il est nombreux, plus il mange. Et également, recruter un certain nombre de vikings pour pouvoir avoir accès aux certains ports. Donc là, c'est minimum 2, 3 vikings, 2 vikings. Ok. Je vais donc aller envoyer mon viking... au grenier, oui. Histoire de récupérer là, un petit peu de provisions, parce que c'est, ben voilà, hein, on a bien envie d'en avoir. Et puis ensuite, on est limité à combien de cartes en main? 8. Donc je vais retirer celui du gatehouse pour en piocher 2 de plus. Et voilà. Donc là, je vais chez Forgeron, histoire de prendre 3 sesterces, parce que je le vaux bien. Ben voilà. Ah. Et je vais refaire, écoute, je vais faire de la baraque, je vais dépenser mes 3 sesterces, ce que je viens durement gagner, pour ajouter Bibur. Ah, Bibur, lui, la particularité de gagner 2 en force quand on fait des raids contre les monastères. D'accord. Et il a 3 de force. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. J'ai mis. Mais on sait jamais. Donc du coup... Bah là, en fait, les 2 actions que je voulais faire cette tour, il y a déjà des meeples. Oui, donc, mais coup, tu pourras le faire en retirant. Oui, en c'est ça, mais je ne peux pas faire les 2. En fait. J'espérais pouvoir faire les 2. Non. Je vais aller au gatehouse avec mon meeple pour piocher 2. Okay. On peut le faire dans n'importe quel ordre, il faut d'abord faire une non, en place. Non, tu poses déjà et après je retire. Récupère. Ok. Effectivement. Donc là, ça me permet au moins de regarder vite fait ces cartes. Oui, parce que là, tu pourrais faire le Town Hall et jouer un effet de carte. C'est ça. Le mille ou le, enfin le moulin ou ouais, le forgeron. C'est ça. Donc, du coup, je vais prendre le... pour le barracks, on joue une seule carte. On ne peut pas jouer plusieurs. Non, tu ne peux poser... Alors, pour le Town Hall, tu ne peux jouer qu'une seule carte en effet. Et la baraque, tu ne peux recruter qu'un seul. Alors, pour le moment, tu ne peux pas parce que... Même si on a l'argent pour recruter. Oui, tout à fait. Tu ne peux recruter qu'une seule. Écoute, je vais faire retirer le celui du mille. Du mille. Pour prendre des provisions parce que exactement. Les vikings, ça mange. Une seule. Suivant. Suivant, donc, Barax. Ouais. Allez, pan, donc je tu pose, embauches. Et je paye 2. Voilà, je suis gagné un point de victoire quand je fais un raid sur un outpost. Voilà, c'est un petit maraudeur. D'accord. Donc voilà. Tu peux pas retirer au même endroit que tu viens non. de poser. Non, on est toujours d'accord. Limité. On peut pas faire 2 fois la même action, quelle qu'elle soit. Ben, l'avantage, c'est qu'effectivement, tu le... Enfin, une fois que tu l'as dit, tu le sais automatiquement. C'est ça. Voilà. Je ne peux pas poser à l'endroit où je vais retirer. Exactement. D'accord. Et je vais faire le... Du coup... Silver Smith, Stone Hall ou Gatehouse. Oui. D'accord. Eh bien, je vais faire le Gatehouse. Et tu récupères. Et je récupère 2 cartes. Ok. C'est là où, effectivement, il est mieux de connaître un petit peu ses cartes. Histoire d'être sûr de ce que ça fait, oui. Je vais jouer le tonneau. Non. Ah ben non, il faut déjà que je pose. Tu poses ton viking. Quelle douille. Eh ben, je vais retourner au 1000. Voilà, tu prends une provision. Voilà, très bien, ça tombe bien. Et puis, je vais enlever du tonneau pour jouer le petit voleur, là, seigneur de guerre, qui réclame son dû. Et je vais prendre 2 sesterces à Monsieur Jamie, qui, comme on dit, en a force, qui est force riche. Bon allez, c'est serious business là. C'est bon. Vous deux. Ah non là. Ah non. Non. À toi, Olaf. Coupable. À toi, Olaf. Alors. Tu reprends 2. Oui, je reprends 2 parce que je suis comme ça moi. Et. Je vais laisser se battre et je vais me faire mon chemin. Écoute. Maman est près de toi. Voilà. T'es lui quelqu'un.
Quelqu'un pour toi. Et je vais faire parce que on va quand même prendre quelques petites provisions. Ça c'est bien aussi ça. Ok. Ok, bien, c'est fait, c'est bon, c'est joué. Au tour d'après, va commencer les raids. Oh bah, toi, tu vas pas faire grand-chose en raid. Si, j'ai deux nourritures. Ah oui, mais t'as qu'un viking. Oui, mais ça va venir tout de suite, là. Ah bah oui, mais tu pourras c'est pas au faire... Au tour d'après. Oui, au tour d'après. Eh oui, lance les runes, Olaf. Je vais aller au 1000. Je vais boire dans ton crâne. Bon, c'est comme ça, vous me laissez tranquille. Ah, et c'est puis, pas gagné. Et puis, je vais quand même aller au Silversmith encore, si vous êtes pas fini, là. De me piquer mon... Mais c'est très bien, tu y vas pour nous. Et d'ailleurs, on le sait, c'est donc, pas... Qu'est-ce qui te fait envie? Le fin du fin. Le Silversmith. Ouais. Crème à tu gagnes 4. Je gagne 4, effectivement. Ah, parce que t'as toujours ton... ouais. Alors, par contre, Simone, elle n'est pas très bonne au combat. Bah non, zéro. Ah, voilà. Alors, au début, c'est pas problématique. À la fin, ça peut devenir. Après, mais elle peut faire une très bonne sacrifiée. Hein, voilà. Hein. Les Valkyries seront ravies. Alors, je vous rappelle, si des fois vous recrutiez... Vous en avez 5 posés. Mm-hmm. Vous voudriez en recruter un nouveau. Vous pouvez vous en débarrasser, recruter. C'est pas Valkyrie, ça, par contre. C'est pas Valkyrie. C'est pas une action spécifique. C'est pas, en fait, j'en ai 5. Je veux faire les baraques parce que mon zéro m'intéresse pas. J'ai pas eu de Valkyrie. Je peux très bien me débarrasser d'un. Tu le renvoies, tu annules son contrat. C'est ça. Voilà. C'est ça. Simone, tu dégages du village. Voilà, c'est ça. Tu prends tes affaires. Et attends. Tu vis ton bureau. C'est ça. Et comme deuxième action, je vais au 1000. Ouais. Là, et tu prends. Voilà. Ok. Je vais pouvoir. J'ai ça. Donc je vais poser au 1000. Tac. Je récupère ça. Et puis je vais embaucher, donc enlever à la baraque. Et à la baraque, je vais jouer un petit croque-mort. Le croque-mort qui me permettra... Il vaut 0 hein, en combat. Par contre, s'il est tué dans un raid, ça me fait gagner un or. Et puis, voilà. Il me coûte 1. Voilà. C'est fait. C'est fait. Alors, vous allez tous m'apprécier. Parce que je suis comme ça, moi. Je te jure si tu me prends de l'argent encore. C'est pas du tout mon genre. Par contre, vous avez tous défaussé une provision. Je m'en fous. Effectivement, on t'apprécie. Mais moi, voilà. Qui pensais que ce jeu allait être sympa. Bah, il l'est. Vous vous gavez de provisions. C'est périssable, les provisions, je vous le rappelle. Hein? Et ensuite, tu récupères quoi? Et je récupère... Bah, tiens, je vais faire du 1000. Allez, 1000. Voilà. Dans le 1000. Exact. Dans le 1000 et 1000. Ah, ok. Donc, du coup, je vais aller au baraque. Et dépenser mon argent avant que vous puissiez me piquer. Donc, je vais en dépenser 4. Alors là, je te trouve bien médisant. Mon propre héros. Okay. Donc, Folk. Oui. Folklore. Donc, lui, c'est un héros, donc je peux en avoir que un. Oui. Et il gagne. Donc là, c'est un peu mal écrit, mais c'est gagner. Gain one strength for all other hired crew members. Donc, oui. Je pense que ça veut dire pour, plus en force pour chaque membre d'équipage. Pour chaque membre d'équipage, voilà. Exactement. Donc, tout à fait. C'est une façon bizarre de le dire. Alors, voilà. Inutile de le dire que lui, il est gonflé à la testostérone. Ouais, voilà, c'est ça. Il coronesse comme ça. Quoi. Il est déjà donc, 3, c'était à 5, il fait plus 4, donc ça fait plus 7. C'est ça. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer celui du Town Hall. Enfin, oui. Là, c'est provisionnel, on va voir ce que vous en dites. Donc là, je vais jouer le pouvoir de lui. Oui. Donc, c'est le marchand qui me permet de jouer n'importe quelle ville comme si ma meeple était là. Oui, c'est ça. Oui. Donc là, je peux rejouer les barracks. Oui, et absolument. Et je redépense 2 oui. Pour me mettre un petit brawler. Exactement. Voilà. Ce qui va te permettre avec une provision. Alors, une provision, tu peux aller qu'ici. Il faut trois pèlerins. Mm-hmm. Comme Guillaume, maintenant, on n'en a que 2 là. Lui, Guillaume, ne peut aller qu'ici. Oui, d'accord. Ça. Okay. Mais il y a à piller. Attention, hein, attention ton micro encore, par contre, ça va refaire cric-crac. Non, tric-trac. Donc, Jamie a son branleur. À toi, Yozav, de jouer. Voilà. Hey, on va me prendre au sérieux. Hein. Non, c'est pas c'est ça. C'est quoi, c'est le casque? C'est casque, hein? C'est branleur. Branleur, pas branleur. Oh, le gros, il est branleur. Voilà. Bah, tu sais, qu'est-ce qu'il fait sur le dracard? Il branle. C'était une profession d'honneur à l'époque, tu sais. Bah, et surtout, sur le dracard, il fallait occuper le viking. Voilà. Et surtout, pendant les sagas, c'était une partie des plus intéressantes. Sur le Town Hall. Allez, vas-y. Je joue ça. Tous les joueurs doivent donner un silver ou une provision. À qui? Donc silver. Ah oh, putain, c'est pas possible. Quoi. Silver, c'est ça? Ouais. Ou une provision, c'est toi qui choisis. Non, silver. Moi c'est Yannick. Ouais. Voilà. Et toi, Jimmy, tu fais quoi, toi? Bon, voilà. Toi, t'as rien. Une provision. Ah, t'as donné une provision. Rien. Là. Et puis, je vais. Tu retires où? Je vais retirer où? Sur la baraque.
Ok, donc tu embauches. Et j'embauche. Un grave digger, toi aussi. Voilà. Pour une sesterce. En fait, nous, on se prépare à la guerre et toi, tu préfères l'industrie de la guerre. C'est on ça. Fait bijoux. Enfin, ceci dit, ouais, bijoux et cimetière. Et fossoyeur, c'est, ouais. Ouais, c'est assez viking en fait. Je tatane. Quoi, je tu vais tataner. Je pars directement contre un port. Wow. Ouais. Donc tu dépenses tes provisions. Donc voilà. Deux provisions. Tu as bien deux membres de vikings. Et ouais. Tu peux aller la piller un des lieux. Tu vas donc gagner un point de victoire. Donc il est quelle couleur ? Il est jaune. Sur ton micro. Jaune. Il est jaune. Ouais. Ok. Personne. Hein, tu me diras. Attends. Et tu vas pouvoir prendre le pillage et récupérer le viking. Attends. Faut que je sois intelligent. Oula. Non, c'est très bien. Et je récupère le viking qui d'un seul coup devient plus musclé. Expérimenté. Ouais, absolument. Impeccable. Tu es beau. Je sais, n'est-ce pas ? Hop, à ton tour. Ça y est, on a fait notre premier pillage de port côtier. Grugli. Avec notre Drakkar. Est-ce que Drakkar est la dénomination historique ? Parce qu'ils disent effectivement Longship oui, en anglais. Ou Skoship, ou Longskip. Longskip, exact. Le Drakkar étant normalement la proue ressemblant à un dragon. D'accord, ok. Oui, donc on appelle le bateau par le... C'est la partie pour le tout. Le bateau dragon, quoi. Voilà. Okay. Du coup, c'est ennuyeux tout ça. Ah bah oui, hein. Je tiens à préciser tout de même. Faire piquer mon argent. Je trouve aussi. Mes cartes. Vengeance. Alors, évidemment, petite chose. Si je voulais faire la baraque, je ne voulais pas recruter. Je ne suis pas obligé de faire l'action. Oui, d'accord. Mais tu prends le lieu. Oui, d'accord. Mais je prends le lieu. Mais on va aller ici, histoire de... Voilà. Ouais, bah écoutez, j'ai un point de victoire. Ça. Vous en avez encore zéro. Je propose qu'on s'arrête là. J'ai gagné, donc la partie. Hein, merci à ceux qui l'ont bien noté. Un point près. Wow, il est serré, ce jeu, dis donc. Bon, ben, à moi. Jimmy. Eh ben, écoute, on va envoyer tout cela sur le Gatehouse. Donc, tiens, deux cartes, s'il vous plaît. Deux cartes. Et puis, je vais retirer celui du 1000 parce que j'avais des provisions. Mais j'en ai plus. C'est ça. Comment ça se fait ? Quelle carte on a demandé. Et c'est au suivant. Eh ben, donc, moi, je vais pouvoir faire un petit raid. Oui. Donc, tu vas mettre ton viking à deux provisions, comme Guillaume. Là, il va falloir trois provisions. Pardon, oui, okay. Donc tu vas dépenser tes provisions, ce que vous mangez pour faire la traversée. Bah oui, bien sûr. D'accord. Et tu vas pouvoir choisir celui-ci ou celui-ci en termes de butin. Ouais, ou je pourrais me mettre sur celui-là aussi. Alors là, il te faut trois vikings. Et tu as tes trois vikings, absolument, et ça ne te coûte qu'une seule provision. Ouais. Alors là, on va faire un raid avec un viking, un bijoutier. Donc je te rends une provision. Ridicule le raid. C'est hardcore, ces vikings. Et je vais prendre le bétail, là, oui, c'est celui-là. Donc tu gagnes les trois têtes de bétail, le viking, oh la testostérone. Et un point de victoire. Et un point de victoire pour le bleu. Le bleu. Ouais. Ok, me voilà déjà à égalité. J'ai une petite question, monsieur Olivier, qui me vient là. Quand je vais poser mon viking gris. Oui, il va nous revenir. Ben c'est ça, c'est le jeu. Absolument. Mais c'est dégoûtant. Ben oui, mais en même temps, tu œuvres pour le village. Mais faut c'est pas ça. L'oublier. Oui, bien sûr. Hein? Non, je n'œuvre que pour moi. Hein. Alors, dire, mais... si tu voulais, parce qu'effectivement, tu peux le mettre ici, oui. Ce qui te permet de répondre à la demande du village, ou d'échanger une tête de bétail contre deux provisions. Et alors, évidemment, on pourrait le reprendre, mais comme nous, on n'a rien fait, ça a que peu d'intérêt de le reprendre ici. Ouais. Tu as également l'armurerie, qui te permet d'échanger du métal pour contre avoir de l'armure des armes. Et dépenser deux sesterces contre un d'armure. Eh bien, je vais aller dépenser. Quel est l'intérêt d'aller là ou là ? C'est que le 1000 te permet également d'avoir d'autres provisions. Ouais. Parce que tu pourrais enchaîner tout de suite les raids. Ouais. Je vais aller. Ah oui, mais là, du coup, je récupère gratuitement. Oui, donc c'est bien. C'est bien. Mais vous allez le faire aussi. Oui, bah écoute. Alors que si je fais ça, c'est bien. Donc, je vais ici aller à la maison. Oui, et tu vas faire l'un ou l'autre. Je sacrifie mon bétail pour le fumer. Voilà. Hop, et me voilà avec deux provisions. Et puis ensuite, je vais retirer du silversmith. Et tu prends trois sesterces. Et je récupère mes trois sesterces. Ça me paraît bien. Ok. Effectivement, c'est bien. C'est bien, c'est une bonne idée. Du coup, on va aller chercher trois sesterces. Ou pas. Deux provisions. J'ai peut-être des gros, moi, à les tuer, moi. Ah ? Oui, il y a deux ou trois choses sympatoches, là, quand on commence à voir un petit peu quel est l'intérêt des pouvoirs des vikings, parce qu'il y a un pouvoir à la pause et un pouvoir au moment où on défausse le... Il y a des petites combos sympatoches. Et ça peut être un petit peu méchant, hein, Jimmy ? Ah, oui, je confirme. Je confirme. Et je vais reprendre du Tone Hall un bougre. Ouais. Et je vais jouer une petite cartoon. J'aime pas bien quand tu dis petite cartoon. Qui me permet de prendre une provision et un sesterce. Ah purée.
Ok, donc on va commencer à distribuer les baffes là, parce que j'en ai marre. Ah, tout de suite. Je vais direct sur le Town Hall. Ouais. Donc je vais jouer mon barbare qui me permet de prendre un plunder. Donc je vais prendre une tête de bétail. De la provision? Bah de ce pas que moi. Monsieur vient de. J'en ai ah pas. Non, ah, d'accord, ils étaient devant toi. Bah, désolé, je voulais me venger, mais malheureusement ça va être c'est toi. Qui va voilà. Hop là. Ah, tu veux quoi? Tête de bétail, pardon. Une tête de bétail. Voilà. Gris. Et donc tu vas pouvoir reprendre lui pour te faire de nourriture. Donc j'envoie le tête de bétail, je me fais de nourriture et je reprends une gris. Voilà. Pas mal. Et là je peux. T'as vu, t'as piqué ton gris. Oui, j'ai vu. Par contre, je peux partir là en. Alors, tu pourrais partir parce que pour activer les raids dans les bords de plage. Il faut placer. Soit du noir, soit du gris. Ok, d'accord, ça marche. Donc, c'est et globalement, toi tu ne peux faire que celui-là. Oui, ça marche. Pour l'instant. Pour l'instant. Bon. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu loin. Quand même. Moi je vais sur. Le mille sur le moulin, comme donc, ça je gagne deux provisions. Deux provisions. Puisque c'est un gris. Trois, puisque c'est un gris. Et tu récupères. Que dépenser une tête de bétail. Et je vais récupérer le gatehouse. Le gatehouse. Et tu vas piocher deux cartes. Ouais. Ce qui m'amène à penser que les vikings posés sur les endroits de raid, on ne les revoit plus. Absolument, en fait. Mais ils sont échangés par les vikings de balèze. Je comprends. Ce qui, ouais, c'est intéressant cette histoire. Ce qui fait que globalement, tu as toujours trois vikings sur le village, oui. De manière constante. Et puis, bah, tu et chacun joueur a un viking en main. Là, Guillaume, il faut que tu sois malin et intelligent. Non, ça, c'est pas possible. Oh, Guillaume Sun, ce n'est pas possible. Vous êtes vraiment petit. Ah, parce que tu n'as toujours pas trouvé le nord. Peine. Hop. Je vais à la baraque. Non, ça sert à rien. À rien. J'embauche un bon berserker des familles. Ouais. Berserker des familles. Ouais. Quand il est tué dans un raid, je remets la carte dans ma main. Il ne meurt jamais. Et par contre, ça coûte 3. Mais c'est pas quand il est sacrifié, alors. Non, lui, c'est quand il va mourir. Alors, tu peux l'envoyer parce que lui va quand même compter en Valkyrie. D'accord, ça. Ok. Je fais monter et mon il le récupère de la main. Je récupère. Il y a toujours un berserker quelque part. Tout à fait. Okay. Et je récupère le 1000 avec deux provisions. Puisque c'est du gris. Puisque c'est du gris. Let's go. Alors, moi, je vais aller. Jamie, faire je un n'ai un qu'une chose à dire. Dépêche-toi. Bah, je l'y serai déjà si vous n'avez pas de tube. Je gagne un point de victoire, Jamie. Donc, pour le vert, c'est ça. Le vert, tout à fait. Et voilà. Ok, Jamie. Donc ouais, du coup, ça y est, ça va commencer à aller un peu plus vite. Donc là, j'ai deux provisions. Je peux éventuellement poser mon petit meeple là. Par contre, ça met une grille, par contre. Bon, oui, c'est obligé. Hein. C'est trois têtes de bétail et une tête de mort. Donc rappelle-nous comment ça marche, les têtes de mort. Quand tu prends une tête de mort, tu vas perdre, tu vas obligatoirement perdre un membre de ton équipage. Mmh. Les Valkyries appellent des âmes. Mmh. Mais tu montes sur l'échelle. Mais tu gagnes des points de victoire, faut pas l'oublier. C'est ça, ouais. Des points de gloire. Ouais. Mais ça, j'aime moins. Mais il n'y a que des têtes de mort là. Donc ça, je peux aller avec trois membres d'équipage. Ah. Bon, vous savez quoi là, il y a trois. De toute façon, il y aura des morts maintenant. Ouais, je vous le dis. Là, façon, oui. Il y aura des morts. Bon. T'as pas joué encore, Jimmy ? Non. Donc du coup, je vais poser mon gris ici. Ok. Alors, il faut deux nourritures. Deux nourritures que j'ai. Parce qu'il mange. Voilà. Traverser. Donc ça, je vais récupérer celui-là. Tout à fait. Celui-là. Et tu récupères ton petit gris plus un point de victoire. Voilà. Donc tu peux mettre un point de victoire. Tac. Donc t'es mort. Donc, je monte là. Et je tue. Alors, exactement. Et tu me rends ceci. Hop. Ah, pardon. Ok. Léozard. Par contre, est-ce que je reprends un meeple maintenant? Tu as repris un meeple. Ah non, c'est vrai que oui. Tu as repris un meeple. Forcément, oui. D'accord. Absolument. Ça marche. Ouais, je vois la mécanique. Je vais faire un raid sur le port du milieu. Le port du milieu. Voilà. Donc, je dépense trois nourritures. Trois nourritures. Un nourriture. C'est nourriture. À côté des avocats. Ah, pardon. C'était trois. Un nourriture et trois vikings. C'est à côté des avocats. Et tu peux choisir. Eh ben, celui-ci, ce qui va te. Il va falloir sacrifier du monde. Et là, tu gagnes un or. Celui-là, et qui gagne un or. Parce qu'il meurt. Parce qu'il meurt. Un sesterce, c'est ça. Un or. Un or. Voilà. Par contre, tu gagnes un point de victoire. Et je monte. C'est pour les. C'est quelque chose. Bleu. Je suis bleu, oui. Très bien. Voilà. Ok. Donc on s'arrête là maintenant, c'est ça? C'est bien. Non, on n'a pas fini le tour. Hein. C'est... Ah si, t'as commencé. Ah bon, c'est moi qui ai commencé. Non, mais attends, si, je rejoue un petit coup. Juste un petit coup. C'est ça. Allez, on va dire que j'ai de la chance. Je vais envoyer mon meeple gris contre un outpost. Oui. Okay. Alors, nous, il va falloir celui-ci. Il te faut quatre nourritures. Tu les as. Je les ai. Tu les conserves. Je les ai. Oh là là, ouh, la belle phrase. Est-ce ça, que c'est, tu as ça, c'est dignement trois vikings? Oui, tu as trois vikings. Tu fais ton total de force. 4 et 2, 6. 6, tu vas avoir un dé voilà. Que nous avons. Et là, il va falloir faire 8 ou plus ou 14 ou plus. Alors, 14 ou plus, tu ne les fais pas. Oui, je ne les fais pas. C'est juste que j'aimerais bien au moins faire 8. Voilà. Tu as une chance sur 6 de… Allez, quoi. Non, mais tu ne vas pas y arriver. Une chance sur 3.
3. Ah, juste. Ah, donc, okay. Tu vas gagner tout de suite les 2 points de victoire. De gloire. Et toi, tu es jaune encore. Je suis jaune. Tu vas prendre maintenant un butin que tu aurais eu de toute façon. Ouais, mais il va falloir choisir. Ah, oui, en plus, j'avais une fois par raid, je peux relancer le dé. Donc, j'étais à peu près sûr de mon coup. Si je tue les deux là, ce qui m'embête, c'est que ça me ralentit. Mmh. Donc, je vais quand même aller récupérer du butin, tant pis, et récupérer du coup plutôt un gris. Parce que j'aurais pu récupérer un blanc, mais c'est vous qui allez en profiter, bande de ramiers. Donc, voilà. Enfin, t'aurais perdu du monde hein, quand même. Oui, mais c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit non, tant pis pour le blanc, je laisse tomber. Ok, j'ai fait mon deuxième raid. Tu et as fait ton deuxième raid. Alors, je serai d'avis, je vais aller à l'armurerie. Mmh. On innove, hein. Par contre, tu reprends ton... Ah non, là, le poste est gris. Pardon. Ah oui, il y a un gris et un blanc. Il y avait un gris et un blanc. Je vais dépenser un métal pour augmenter de 2. Ça y est, toi, tu t'armes. Et ça ajoute à ta force de, ouais, de manière constante, okay, tout à fait. Et là, je vais reprendre. Et ça donne des points de victoire, ouais, à certains stades. À la fin. Et je gagne 3. Et tu gagnes 3. Jamie. Ok, donc du coup, moi, je vais aller... Ben, moi, j'ai besoin de provisions, hein. Donc, du coup, pendant que j'ai un gris, ben, je vais aller au Longhouse. Yeah. Ouais. Pour échanger une tête bétail contre 2 provisions. Et ensuite, je vais jouer. Tu vas retirer. Je vais retirer. Alors, tu as l'armurerie, mais tu pourrais dépenser. Fais un peu avoir, là, en fait. Non, vas-y. Que tu peux le mettre en 1000 aussi, ton gris, parce que tu gagnes la même chose. Non, il est bien, parce que tu as fait la même chose. Le Longhouse, c'était très bien. Ouais, bon allez, je vais jouer le Town Hall, parce que c'est le seul que je peux jouer honnêtement. Ah non, on peut le reprendre sans faire l'action. Tu peux le reprendre sans faire l'action. Alors... Ouais, allez, hop, je vais faire comme ça. Je vais pas faire l'action par contre. Ok. D'accord. Non, vous m'arrangez pas beaucoup. Bah, on est du même village, mais bon, on n'allait pas quand même non plus. Exagérer non plus. Tu veux ma femme? Ouais, tu prends déjà notre bateau. Je vais aller au moulin. Tu prends déjà mon or. Le moulin. Et je vais récupérer deux provisions. Deux provisions. Ok. Et après, j'ai une petite hésitation entre aller tout de suite récupérer des points de victoire, parce qu'il faut commencer à les récupérer. Absolument. À un moment tout à fait. Donné, tout à fait. Fais-le, ouais. C'est très bien. Et tu peux récupérer un gris. Quoi faire, hein, franchement. Tu vas récupérer un gris. Allez. Voilà. Et donc, tu vas offrir 2 têtes de bétail et un métal, ou 2 têtes de bétail et 2 or. Deux ors, je ne voyais pas. Deux têtes de bétail, deux ors pour avoir 6 points. 6 points, c'est toi qui récupères. 6 points pour bleu. Tout de suite. Non, à la fin. À la fin. On la remplace et là, tu as 2 ors. Ok. Pour 4 points. On peut le faire qu'une seule fois. Hein. Alors, c'est soit ça, sauf si tu as le sage. Oui, qui te permet de faire les 2 actions en même temps. Mais tu veux dire que je peux dépenser que pour une carte. Oui, tu ne peux dépenser que pour une seule. Ok. En fait, tu vas le faire le chef du village. Fait tiens, chef. Voilà. Tu poses. Tiens, prends. Petit homme. Vaillant guerrier. Qu'est-ce que je vais vouloir faire? Rien, pas tu passes ton tour et c'est fini. Non, c'est pas du tout ça. Je vais aussi aller au Longhouse. Je vais donner une tête de bétail et puis je vais récupérer 2 petits. Voilà. Et puis ensuite, je vais retirer au 1000 et je vais récupérer 2 provisions. Me voilà avec 4 provisions. Et 3 membres d'équipage, ça me paraît bien ça. Je vais aller titiller du monastère. Ouais, c'est vrai que tu peux. Hein. Ouais, je vais aller titiller du monastère. Oh, c'est chaud quand même. Hein. C'est un petit peu chaud, faut 12. Faut 12, ouais. Sur 8. En fait, t'as 3 pèlerins quand même. Hein, donc, oui, j'ai 3 pèlerins. Ah oui, d'accord, ok. Alors, le monastère te permettra de lancer 2 dés. Bah oui, je peux en relancer un. Par contre, il faut de l'or aussi. Oui, j'en ai. Ah, je le dis. Je vais aller titiller du monastère. Tout ça pour du bétail, c'est vraiment du monastère de naze hein, quand même. Je pensais qu'il y avait une relique ou deux là-bas, mais non, rien. Je vais faire ça, je vais piocher 2 cartes. Règle de la bique. Les monastères fermiers. Règle de la bique. Et je reprends celui-là, je dépense 1 métal, je augmente de 2. Oh purée, lui, il est en train de s'armer bien comme il faut, là. Ah bah c'est bien, ça. Il va aller tâter de la forteresse rapidement. Donc, moi, est-ce que j'ai assez de prévisions? Non, j'ai plus assez de vikings maintenant. Eh oui. Donc, du coup, je vais devoir... Bah, je vais passer ça sous le silversmith. Pardon, ok. Tu récupères 3 sesterces. 3, 4... Et puis, je vais prendre une des baraques. Ouais. Ok. Hop. T'embauches qui? Un petit scout. Ah. Ouh.
Hubert le Fourbe. Il a une bonne tête de fourbasse quand même, je veux pas dire, mais... C'est un nom viking. C'est un nom viking. Hubert, ouais. Tu payes une provision. Hubertson. Tu payes une provision de moins quand tu raides un monastère. Ah oui. Ok. C'est pas mal. Donc du coup, suivant. Donc moi, je vais à l'armurerie. Et je vérifie bien pour ne pas recruter plus qu'un personnage. Est-ce que tu dépenses du sesterce ou de... Non. D'accord. Okay. De l'iron. Donc, et donc tu augmentes de 2 en force. Mm-hmm. Et puis, comme Jimmy sera ravi d'apprendre qu'il m'a embêté... Tu vas lui en donner pour son argent. Non. Ah, bah non, il m'a embêté, il a pris... Je vais prendre le gatehouse. Okay. Et tu pioches 2 cartes. Oui, c'est assez rigolo la façon dont les vikings évoluent, parce qu'on les a laissés, mais en fait, c'est les mêmes qui ont pris de l'expérience. Exactement. Et en fait, on en a sacrifié certains. Ici, on a mis des gris, alors qu'on aurait pu envoyer des noirs. Mm-hmm. Donc, ça en fait moins là. Mais en même temps, le noir est intéressant à conserver pour garder le silversmith, puisque mettre des gris ou des blancs réduit. Donc, il faut jongler avec tout ça. Mm-hmm. OK. Monsieur Guillaume. 4, 5, 6. Pour monter à 12, il faut que j'ai un 6. Je vais lancer quand même 2 dés. C'est quand même pas désagréable. et puis du coup, je le raid et je récupère un blanc. Par contre, pour la forteresse après, ça sera un tout petit peu juste. Mais je récupérerai le premier monastère. L'autre est à 14, 22. Je peux peut-être encore me préparer un petit peu. Allez, je vais me préparer un petit peu. Donc, je vais jouer... Joue pas comme ça. Joue pas avec moi. Ouais. Ça, c'est pas cool, cette histoire. Mince. Allez, t'es viking, réfléchis pas trop. Hein. Oh, oui, c'est ça. C'est un viking. Hein, et il n'avait pas inventé l'eau chaude, hein, quand même. Hein. Voilà, c'est ça. T'as vu sa tête, quoi. Mais il a inventé la hache supérieure. La hache supérieure, c'est ça, exactement. Voilà. Ah, c'est naze. Je vais aller au trésorerie. Oh! Olé! Je vais défausser une carte pour récupérer 2 sesterces. Oui. Mm-hmm. C'est petit joueur, ça. Ah, ouais, je sais. Vraiment le côté. Mm-hmm. Et je vais récupérer à l'armurerie en dépensant 1 et je vais monter de 2 ma force parce que mon drakkar est maintenant armé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On y est, on a les droits. On a les droits. Et pour pas cher. Et pour pas cher. Si on devait, nous, ici, là, faire une saga sur les Norsemen, je pense que ce serait un peu mieux. Alors, qui va venir avec moi dans mon bateau? Je sens bien Robert Laburne. Oh, tain, il y en a des bons, hein, je vous le dis. Ouais. Est-ce qu'il y aurait, à ta connaissance, des possibilités pour que, malgré tout, M. Philippe Chem, l'auteur de Raiders of the North Sea ou de la trilogie, accepte ou fasse une édition avec un éditeur qui le localiserait en français? Je vois pas pourquoi il s'opposerait. D'accord. Très honnêtement, c'est pas prévu. C'est pas prévu parce que je ne sais pas s'il a été sollicité. D'accord. Sauf qu'effectivement, lui, il gagne sa vie en tant qu'éditeur au travers des financements participatifs et que c'est son modèle économique. D'accord. Donc aujourd'hui, on pourrait imaginer. Enfin, je crois pas qu'il soit fermé pour ce type de choses. D'accord. Ok. Voilà. Moi. Et attends, il reste juste. Je vais piller. Robert. Donc Robert. Je vais forcément prendre ça. T'as un mort. Avec ça. Et j'ai tu un mort. As à mort. Donc je vais sacrifier Hubert. Non, c'est Hubert. C'est Hubert le Fourbe. J'ai du mal à retenir tous les noms. Ils sont beaucoup dans le village. Hop. Et puis basta. Voilà. Okay. C'est à moi. Donc moi je voudrais arriver à poser quelqu'un. Mais d'abord, ça ne me va pas. Donc ce que je peux poser, à l'armurerie. Je peux poser. Ouais, c'est rigolo parce que les monastères, il y en a par exemple 2. Il y en a un qui demande moins de nourriture, mais plus de force. L'autre, plus de nourriture, mais c'est moins risqué. Et le rapport investissement est moins important. Et je ne me comprends pas, c'est tout ça est généré automatiquement. Enfin, alors, aléatoirement, les récompenses. Les récompenses, tu as un grand sac et ça fait partie de l'installation. Donc, tu tires au hasard des têtes de Valkyrie et des récompenses dans ton sac. J'avoue, ce serait encore plus marrant si tu avais les statistiques pour les forteresses, enfin, pour tous les endroits qui étaient différents à chaque fois. Tu avais plusieurs tuiles, tu poses une tuile, blablabla. Bon, alors. Parmi les tuiles monastères spécifiques, pour que ça reste quand même équilibré. Exact. Oui, ça peut être une. Town Hall. Oui, t'as genre 4 tuiles monastères, t'as 2 monastères, t'en joues 2. Je prends une provision. Hein, mais pourquoi moi? Parce que moi, j'en ai pas. Voilà. C'est une bonne raison, ça. J'essaye de faire ça. Ah, c'est pas sympa, hein. Ah, c'est pas sympa. C'est dur, hein.
Et puis après, je prends les baraques. Vous avez déjà vu un viking pleurer? Ça te ralentit un peu. Moi, je suis désolé, tu aurais dû me le dire avant. Et je paye 3 pour poser un archer. La pleureuse. La pleureuse. Sigurd de la pleureuse. Allez, Sigurd de la pleureuse. Eh ben, tant pis, j'y vais quand même au monastère. Non. Si. Poum. Alors, il faut trois provisions. Trois provisions, je les ai quand même. Est-ce que tu as bien 3 vikings? J'ai 3 vikings. C'est bien. Et il me faut de l'or. Hein. Donc et il te faut un or, absolument. 3 provisions, et un or. Et tu vas prendre 2 dés. Tu vas faire ton petit total. Donc, à savoir que tu peux en relancer une, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, parce que j'ai mon... Moi aussi, j'ai un brawler. Donc, tu as déjà 8. 7, 3. 15. 7, 4, 5, 6, 7, 8. 15. Est-ce que... Tu fais 4. Hein. Ouais. 15, je fais 4. Est-ce que si je remplace ça par un 6, c'est potentiellement plus intéressant? 6 et 4, 10, ça fait 18. Non, je n'obtiendrai pas le 20. Donc, je laisse tomber, je marque 4 points de victoire, s'il vous plaît. Ok, donc petit jaune. Tu... 7. Voilà, et je vais prendre 3 bétails. Je présume ça, plus le blanc. Plus le petit bonhomme blanc. Voilà. Et me voilà avec un viking expérimenté qui va pouvoir aller titiller de la forteresse. Oh, enfin, pas tout de suite. Parler de sous de pied. Parce qu'à la forteresse, il faut 2 ors. Ouais. Il faut 5 vikings et 3 provisions. Oui, pas encore pour tout de suite. Là, c'est pas encore pour tout de suite. Mais c'est fait. Eh bien, on va aller se positionner à la baraque, parce que c'est comme ça. Et je mets... Écoute, je vais dépenser 2 sesterces et je vais mettre un branleur aussi, parce que je suis comme ça. Il est courant, cette profession chez les vikings, dis donc. C'est... Puis il y a des gros bras, hein. Les cochons, et voilà. Les cochons vivaient heureux. Ouh là 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 là. Et voilà. Et je reprends un comique. Bon, effectivement, je vais la jouer pour prendre une provision là-bas. Bien. Ce n'est que la monnaie de sa pièce. Ce n'est de bon cœur. C'était le sac. C'était voilà. Je comprends. Oh, l'enfoiros. L'enfoirson. Donc là, je vais faire le gatehouse. Ok. Tu récupères 2 cartes. Et tu reprends. Et baraque, je vais reprendre. Longhouse. Ouh, je pourrais éventuellement reprendre ça. Attends 2 secondes. Je vais reprendre le baraque en fait. Je vais jouer Madame tout de suite. Ah, Simone. Simone. Alors. Encore Simone. Ouais, Simone la cueilleuse. Alors, la fourrageuse. Simone qui fourrage. Tu prends une provision supplémentaire dans le grenier. Elle a des yeux attirants, hein, Simone. Oui, hein. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Puis c'est du sureau de qualité qu'elle a. Hein, Elle sait bien tirer le sureau. Hein. Je te rends. Simone. Ta fourrageuse. Ta fourrageuse. Bon. Oh, ça va être difficile aujourd'hui. On dérape. Stop. De toute façon. Le bateau est glissant. Hein. Suivant. Alors, suivant, vite. Suivant. Tu as fait tes 2 actions. Hein. Oui. Oui. Ouais, c'est ça. Donc moi, sur la baraque, parce que quand même, voilà. Donc je paye 3. Oui. Tu embauches quelqu'un. J'embauche quelqu'un et je vais prendre le... On va faire encore un tour ou deux. Gatehouse. Pendant que on va faire l'action, je vais te redemander, Olivier, oui. Histoire qu'on complète un petit peu maintenant qu'on a vu comment le jeu tourne. On a encore le temps de faire un tour ou deux, hein, note, tu veux bien. Mais malgré tout, les conditions de partie, c'est lorsque toutes les demandes du chef ont été remplies ou quand il ne reste plus qu'une seule forteresse. Ou quand il n'y a plus de jetons Valkyrie sur le territoire. Ce qui est déjà arrivé sur une partie, une mise en place, il n'y avait aucun Valkyrie sur les forteresses. Alors ça, c'est le hasard. D'accord. Mais donc, avant d'y arriver, on avait quasiment nettoyé. Donc les forteresses, on ne les a pas fait. Ça a signifié la fin du jeu. D'accord. D'accord. 3 conditions de fin de partie. Oui. Et là, c'est là où on fait le dernier tour. Total. Exactement. Ah, on finit le tour. On finit le tour, absolument. D'accord. Pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Et on fait le décompte final. Ok. du coup, je vais aller au grenier à foin et je vais récupérer 2 provisions. Je vais retirer celui de la longhouse, sacrifier un bétail pour et prendre récupérer 2 provisions. C'est un petit combo qui va bien quand même pour récupérer de la provision rapidement. Ok. Alors, du coup, puisque tu l'as fait comme ça. Oui. Tu vas faire une action héroïque en sachant qu'on ne va pas aller au bout, c'est ça? Ouais, héroïque. Héroïque l'action. Non, je vais aller au Silversmith parce que ça permet d'en prendre 3. 3 petits sous-sous. 3 sesterces. Toujours bon à avoir, les sesterces. Ouais. On n'a jamais trop de 8 sesterces. Les sesterces, ce n'était pas vraiment la monnaie viking. Non. C'est plutôt gaulois. Exactement. Et je vais prendre le 1000 pour prendre 2 petites nourritures.
Bon, tu as fait l'inverse de ce que moi je voulais faire, mais c'est pas grave. Et 3, 6, 9, je fais jeter, faut c'est. Ah oui, exact, bien vu, bien vu, il y a un maximum de provisions. Je vais aller au 1000, hop, donc je prends 1 plus 2 à cause de ma fourrageuse. Et puis je vais reprendre celui du silversmith. Pour reprendre, 3 sesterces. Voilà, hop. Ok. Oui, alors c'est vrai que dans les règles, il appelle ça du silver, c'est des pièces d'argent. C'est pas plus viking que mes sesterces. Mais je trouvais le sesterce plus drôle. D'accord. Voilà. Ça, c'est pas dans le jeu, hein. Ça, c'est pas dans la boîte. Ah, alors, ça, c'est dans le Kickstarter. Ok, d'accord. En fait, je n'ai reçu que comme ça, puisque, a priori, il ne s'est vendu que comme ça. Ok. Donc, moi, je vais aller sur le Silversmith. Et donc, alors là, c'est un petit gris, tu ne gagneras que 2 sesterces. Oui. Et je reprends les baraques. Bah voilà, je le savais. Je vous l'avais dit que les sesterces, c'était romain. Voilà. Pourquoi ils disent gaulois? Mais pas que. Gallo-romain. Mais pas que. Et tu poses un... Un armurier à 3. Un gars en armure. Ah non, un armureur, oui. Ah oui, t'es déjà à 4, toi, ça y est, t'as embauché un max, puis purée, t'as de la force. Je suis à 5. 3 et 3, 6, 9, 10, 11. 11 en force. Oui, donc toi, quand tu vas piller, tu vas pas plaisanter. 13. Plus, oui, plus les... Armure, plus les deux ici. Alors... Elle n'est pas là pour rigoler. Bah non, je vois bien que tu rigoles pas. Pourquoi, si je fais ça, alors c'est juste pour le plaisir de le faire avant pour que je le fasse. Plaisir. Bah oui, 14, voilà. 4, 5, 6, 6, ça fait un petit peu plus. Non, même pas, c'est juste plus difficile. Par contre, ça me permettrait de me débarrasser de lui et d'y aller franco. Eh bien, c'est très bien. Allez, on va encore raider. On va raider le monastère. Je vais tenter la comment on appelle ça? Tu sais, le très rapide, là. Tu essaies d'aller vite. Ah, d'accord. Donc, un blitzkrieg, voilà. Donc, deux provisions. Je pense pas que le concept a été inventé à l'époque. Un or. Voilà. De provisions, un or. Tes 4 vikings. N'importe quoi, c'est pas là qu'il fallait aller. Alors, c'est là. Il te faut 3 provisions, un or et 3 vikings. Je les ai. Voilà. Et je relance. 5 et 4, ça 9. Fait 9. Il te 4, faut 5, 12 6, et plus. 7, 8. J'ai 8 plus 9. Donc on est 17. À 17. Donc tu n'as pas assez pour avoir les 17. Le taquet, non. Mais tu vas prendre quand même 4 points de victoire. Attends, est-ce que je peux relancer un dé? 17, 18, 19. Ah, à un point, je ne peux pas gagner, donc c'est pas la peine que je relance. Donc je prends les 4 points de victoire. Ah, j'ai pris de l'avance. Ils me rattraperont jamais. Et c'est à vous. Allez, on se fait un petit dernier tour. Ça marche. Pour le fun. Donc là, je vais mettre. Note, tu veux bien un petit dernier tour pour le fun? Pouce levé? On dit oui. J'ai pas vu. On va dire oui. Je dépense 1. Oui. Et j'augmente de 2. Oh purée. Donc là, t'es déjà à 4 points de victoire d'armure. Oui. Bah oui, ça commence à compter. Hein. Blindé en force en plus. Ouais, bah oui. C'est bien. Forteresse, toi, t'as pas peur. Tu vas te le faire sur la fin, toi. Ouais, je suis comme ça, moi. Ouais, d'accord. Je suis un sauvage. Jamie. J'aime bien l'équilibre que tu peux bien te préparer où y aller en sauvage. En voilà. Sauvage. Et avant, parce que si tu vas pas assez vite, bah en fait, tu fais piquer tous les lieux de raid. Donc je prends pas mes sesterces parce que ça sert à rien. Là, j'ai 2, j'ai pas assez de ressources. Ouais, donc là, j'aurais bien aimé faire un truc impressionnant pour le dernier tour, mais malheureusement, je pense que je vais pas pouvoir le faire. Mais je vais aller au barracks avec mon mec noir parce que là, j'ai pas assez de. Non, tout ça, c'est pris, je peux pas les raider. Il reste Warbor, mais il te faut 3 nourritures. Ouais, mais j'ai pas 3 nourritures. Donc du coup, je vais aller au barracks. Hop, j'aurais continué, sauf si j'étais dans le jeu. Je vais faire un. Poser une cartographeur. Ah, excellent. Zéro en force, mais. Il fait quoi? Mais en fait, il va mourir. Il va être mon sacrifice. Oui, parce que lui, il te permet de payer moins 1 or quand tu raides les forteresses. Voilà. Ça va être très intéressant. Moi, je suis pas là pour l'instant. Oui. Okay. Mais il t'apporte rien. Oui. Donc, mais en même mais temps, si, pour les forteresses, c'est. Il faut pas oublier que lui, il lui rapporte finalement, puisqu'il lui rapporte quand même 1 à son héros. Ouais. C'est ça. Ouais. Même limite, je me demande si c'est pas. Non, tu sais quoi? Je vais pas faire ça. Je vais pas aller au barracks, je vais aller au Town Hall. Pour jouer son effet plutôt. Donc je vais jeter une ressource, par contre j'ai gagné une gold. Ah oui, ok. Voilà. Ça c'est pas mal. Et puis je peux retirer ça pour commencer moi aussi t'armer. La guerre froide. Par contre, il faut 2 sesterces. Course à l'arme. Voilà. Deux sesterces pour 1. Ah oui, c'est ça, ouais. Hop. Non mais, tu croyais quoi? Ok. Allez, donc. Liozav, pour finir. Je fais un raid. Monastère. Alors, il tente le raid puissant. Un or, deux nourritures. Un or, deux nourritures. Tu as bien 4 pèlerins. 4 pèlerins, ouais, tout va bien. J'en ai même 5. Celui-là, quand je raid un monastère, il me donne plus 2, donc ça me fait 5. Et 6, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, tu es à 15. Et plus tu vas lancer 2 dés. Oh la vache, toi, tu vas le faire le 22. Hein. Je peux arriver à faire 15 et 8. 23. Donc, 23. Tu vas gagner les 6 points de victoire. 6 points de victoire du monastère. Pour les tu vas, deux, au lieu de 4, hein, ça fait quand même plus 2. Oui. Tu vas prendre donc, et le blanc qui va avec.
Voilà, le blanc qui va avec. Et par contre, tu as une Valkyrie, donc tu as Simone qui va rejoindre. C'est Simone que j'avais oublié d'utiliser tout à l'heure. Et okay. Voilà, et je monte. Oui, tu m'as déjà monté. C'est fait. Voilà. On est, à ton avis, on n'a absolument pas trop joué pour l'instant sur l'émission. On a a priori plutôt joué, on aurait certainement terminé le jeu à la forteresse. Probablement. Parce que, étant donné qu'il y a des Valkyries partout ou presque, c'est peut-être pas les Valkyries qui auraient mis fin au jeu. Non, mais il ne faut pas oublier que pour aller faire les forteresses, il faut 2 heures à chaque fois. Oui. Donc, on va aller beaucoup ici pour récupérer de l'or et puis de la nourriture. Oui. On en est à peu près à la moitié du jeu. Ouais, moitié du jeu. Parce que là, tu peux aller très vite aussi. Hein. Oui, c'est ça. Parce que je veux dire, tu peux te faire 4 points, tu peux te faire ici. Oui, puis en plus, tu le mets, tu l'enlèves. Autour d'après, tu le mets, tu l'enlèves. Exactement. Moi, j'avais du bétail, donc j'aurais pu commencer à faire au moins deux demandes du chef. Ouais, ouais. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus celles qu'on a déjà fait. À voir comment est-ce que ce Raiders of the North Sea se serait terminé dans cette partie à 4. Dans ce début de partie, la moitié d'après Monsieur Olivier. Merci Olafsson d'être venu nous présenter ce jeu qui ne se trouve pour l'instant pas en français et uniquement à la demande, une fois encore pour l'instant, chez Monsieur Philippe Chem. Merci le ZAV d'être venu et d'avoir participé avec nous à cette saga. Jameson, Jamiroquai, parce que c'est vrai qu'il y a une petite remarque c'est pas sur très les Vikings. Vikings, Jamiroquai, non, mais c'est vrai que les petits bonhommes ont un petit air de Jamiroquai, avec la grande casque, le grand casque à cornes. Non, pas pour les Vikings. Raiders of the North Sea. Vous savez maintenant comment y jouer. Vous savez maintenant comment ça se joue. Il ne vous reste plus qu'à vous y jouer. Donc, à vous de jouer et puis bonne partie. Ciao.